CST, une apparition qui rassure et réjouit les férus de la principauté monégasque. Extrêmement discrète pendant de très longs mois, Charlène de Monaco revient sur le devant de la scène, notamment grâce à des publications sur son compte Instagram. Depuis quelques semaines, l'épouse du prince Albert II de Monaco partage avec ses nombreux abonnés des images de son bonheur retrouvé, en particulier auprès de ses enfants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur chacun d'entre eux, sa fille arbore un look digne d'une princesse. Digne de sa grand-mère, Grace Kelly, qu'elle n'a jamais connue. Ce dimanche 29 mai n'a pas fait exception. Ce n'est pas tant à l'occasion de la fête des mères que Charlène de Monaco a dévoilé une nouvelle photographie de ses deux têtes blondes mais à l'occasion du Grand Prix de Monaco. Concentrée sur la victoire, s'amuse Charlène de Monaco. Jacques apparaît au second plan vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise bleue. Installé sur le canapé, le futur monarque enlève son casque anti-bruit. Sa sœur, Gabriella, a quant à elle son beau regard bleu dans le vague. La fillette de 7 ans porte une longue robe fleurie digne de la princesse Grace Kelly. Déjà la semaine précédente, la princesse Gabriella prenait la pose dans les bras de sa mère, tout sourire, dans une splendide robe à faire des envieuses. Charlène de Monaco, férue du Grand Prix de Monaco et de Patrick Dempsey. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco a fait des heureux. Il n'y a pas que Jacques et Gabriella qui ont suivi attentivement la compétition. C'est également le cas de leur mère, Charlène de Monaco, qui s'est offert de jolies retrouvailles avec Patrick Dempsey. En tant que féru de course automobile, l'ancien comédien de Grey's Anatomy était de passage sur le rocher afin d'assister à la compétition. L'occasion de prendre le temps de discuter avec le souverain et son épouse. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il échange quelques discussions passionnées autour de ce sport. Une passion commune qui a semble-t-il créé des liens. Si bien que Charlène de Monaco et Patrick Dempsey ont partagé une accolade.